Alléluia. Et je dis bonjour, shalom à tous ceux qui nous suivent, Kinshasa, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde, sans oublier les internautes. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Comme il m'a appelé, voici l'homme. Je tiens à vous informer, c'est une petite annonce que j'ai fait pour annoncer le début ou la tenue d'une grande campagne d'évangélisation qui aura lieu à Kinshasa, précisément à l'avenue Kalembelembe 72 au croisement de l'avenue du Plateau dans la commune de Kinshasa en date du 4 août au 18 août 2019. De 14h à 20h, je crois que la première semaine, nous commençons, nous aurons qu'une seule séance des après-midi, et la deuxième semaine, nous aurons maintenant deux séances, il y aura les avant-midi, une école, le ministère qui se tiendra de 10h à 12h, et les après-midi, ça sera notre grande manifestation, la grande campagne d'évangélisation dénommée Fête des Juifs. Pourquoi Fête des Juifs? D'où vient cette appellation? Comme je le disais précédemment, la Fête des Juifs, c'est seulement une appellation. Mais au fait, notre travail, c'est une campagne, c'est une évangélisation, c'est un service, un séminaire où nous venons peut-être partager la parole de Dieu avec tous les enfants de Dieu qui nous viennent, ceux qui viendront de Brazzaville, en dehors du pays, à Kinshasa, partout. Mais l'appellation Fête des Juifs est venue quand? Puisque nous sommes aujourd'hui à la 9e édition. Il y a eu une première jusqu'à la 8e. Mais l'appellation Fête des Juifs est venue, je crois, si je ne m'abuse pas, c'est vers la 6e édition. Mais notre campagne s'appelait toujours la grande campagne d'évangélisation, la grande campagne d'évangélisation. Mais l'appellation Fête des Juifs, nous l'avons tirée du livre des Jean. Au 5e chapitre, du 1er au 3e verset. Là, la Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouve une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des boiteux, des paralytiques, des aveugles, qui attendait le mouvement de l'eau. Car un ange du Seigneur descendait de temps en temps et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Or, se trouvait là un homme, un paralytique, qui avait passé 38 ans. Et Jésus, quand il l'a vu, il lui a dit, veux-tu être guéri? Bref, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que, avant la fête des Juifs, Jésus n'était pas à Jérusalem. S'il est revenu à Jérusalem, c'est parce que, étant juif dans la chair, lui aussi devait prendre part à la fête des Juifs. Lui aussi devait être présent à ce grand rassemblement. Donc c'est dans ce sens-là, dans cet esprit-là, qu'on a dit dénommer notre campagne d'évangélisation Fête des Juifs. Comme pour dire que, si vous êtes juif, donc qui dit juif dit chrétien, nous sommes des juifs spirituellement. Si vous êtes un véritable chrétien, lorsqu'on arrive à la date indiquée de la grande manifestation, de la grande campagne, que vous soyez en Algérie, que vous soyez en Australie, en Amérique, que vous soyez en Europe, partout, en Afrique du Sud, vous devez aussi retourner à Jérusalem pour prendre part à la manifestation. Si Jésus devait retourner, et pourquoi pas toi qui me suis. Donc, comme pour dire que 9e édition, du 4 au 18, vous me suivez de partout, vous êtes censé revenir à Kinshasa, qui est notre Jérusalem. Et aussi, je vais vous ajouter un élément. Il y avait un malade, quelqu'un qui a passé 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Et la Bible nous dit que cet homme, 38 ans, sur place, sans intervention, sans secours. Et Jésus aussi, comme habitant de Jérusalem, savait du moins qu'il y avait quelqu'un qui était couché à la piscine. Mais en aucune fois, Jésus est allé intervenir dans la vie de cet homme.
Mais suite à la manifestation, suite à la fête des Juifs, à cette date, à cette grande journée de prière, la Bible dit Jésus est allé intervenir dans la vie de ce monsieur. Comme pour dire que à ce grand rendez-vous, Jésus aussi sera présent. Parce que Jésus reviendra à Jérusalem. Alors, comme il va revenir à Jérusalem, il va donner solution à tout problème, quelle que soit la durée, quelle que soit l'ampleur de ton problème, comme Jésus sera présent, comme Jésus sera présent sur rendez-vous, je vous invite bien-aimés, vous êtes partout dans le monde, quel que soit le temps que vous avez passé dans la souffrance, venez participer à cette manifestation, je vous assure, Jésus sera au rendez-vous et il va intervenir dans votre vie. Je vous rappelle encore la date, c'est du 4 au 18 août 2018. 2019. Je crois que c'est la première fois que nous puissions prendre beaucoup de jours comme ça. Ça avait commencé, la première édition c'était 5 jours, deuxième 5 jours, et là il y avait 5 orateurs jusqu'à la deuxième, troisième édition, on est allé à 6 jours, quatrième 7 jours, sixième 8 jours, sixième, septième, huitième c'était 8 jours, et cette fois-ci c'est 15 jours. Pourquoi le choix de 15 jours? Parce que nous voulons que les enfants de Dieu soient enseignés, que les enfants de Dieu soient éclairés et que nous ayons, si nous puissions prendre le temps d'expliquer fête des Juifs, c'est quoi? Est-ce qu'il est nécessaire que nous puissions commencer à nous rassembler comme ça et que les gens viennent de partout? Parce qu'il y a la délégation du Canada, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens de l'Europe. C'est de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, parmi les modérateurs, il y a le pasteur de l'Afrique du Sud. Parmi les orateurs, il y a ceux qui viennent du Canada. On peut dire que c'est une activité, une manifestation qui rassemble tous les enfants de Dieu, de par le monde, autour d'un sujet qui sera débattu. Cette fois-ci, notre sujet, c'est Dieu a pris ce qui était à votre père et me l'a donné. Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Dieu a pris la richesse de votre père et me l'a donné. Si Dieu a fait ça, quel est mon problème? Comme pour dire que vous me suivez, je ne sais pas, vous vous trouvez dans quelle situation, mais j'avais une information à te donner. Dieu est capable de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre pour te le donner afin que ta joie soit parfaite, surtout que vous êtes dans sa volonté. Que l'Éternel vous bénisse, à moins que mes chers journalistes peut-être aient une question. Là, ils pourront parler et je vais répondre. Soyez bénis. Merci, révérend pasteur, pour votre intervention qui était tellement claire. Le pasteur a dit que Jésus sera au rendez-vous. Nous voudrons accorder la parole à deux ou trois journalistes, d'abord en français. Comme nous avons deux chaînes en Lingala, peut-être qu'ils auront aussi une ou deux questions à poser. Qui se jette à l'eau le premier? Oui, d'abord, vous présentez, vous déclinez vos identités et puis vous posez votre question. Lingali RPDH, je voudrais poser une question au pasteur. En quoi la fête des Juifs sera que je suis en train de dire? C'est juste une fête dans le sens direct. Précédente, le nombre de jours était de 8 jours. Aujourd'hui, nous avons varié à 15 jours. Est-ce qu'il y a une particularité cachée par rapport à cette augmentation ou bien à quelque chose que vous... Je réponds directement. Je peux répondre directement pour ne pas. Merci, bien-aimé. La question du frère était de savoir en quoi la fête des Juifs sera-t-il bénéfique aux enfants de Dieu. D'abord, je vais dire ceci. La fête des Juifs sera bénéfique aux enfants de Dieu du fait que, suite au rendez-vous, Jésus est obligé d'être présent. Et une fois Jésus est là, la personne de 38 ans va bénéficier de sa guérison. C'est ça le bénéfice. Jésus sera là. Et comme lui sera au rendez-vous, le monsieur qui était oublié dans un coin là-bas, qui avait passé 38 ans parce qu'il n'avait personne pour les jeter dans l'eau chaque fois que l'eau était agitée.
Et comme Jésus est venu, il s'est porté garant et il a aidé la personne. Venez, quel que soit votre problème. Je ne sais pas vous dire que vous allez voir ceci ou cela, parce que ce n'est pas moi qui allais opérer des miracles, mais je sais que le Dieu que nous prêchons, celui en qui nous avons cru, comme il sera au rendez-vous, les enfants de Dieu vont bénéficier de toutes sortes de miracles. Et le frère a encore demandé la deuxième partie de sa question, pourquoi 15 jours? Parce que les éditions précédentes, c'était une semaine, 8 jours. Pourquoi cette fois-ci, c'est 15 jours? Je crois, si je dois me répéter, dans ma première intervention, j'ai souligné, j'ai dit ceci. Si nous avons fait le choix de 15 jours, c'est parce que nous voulons prendre le temps. Premièrement, les gens, ils ont besoin d'abord de comprendre les visionnaires. L'homme à qui Dieu a donné la vision, il doit arriver d'abord à expliquer la vision, éclaircir la vision. C'est pourquoi, moi, comme visionnaire de la manifestation, je viens, j'interviens un seul jour comme les invités. Ça ne suffit pas. C'est comme ça que les enfants lui ont demandé, papa, nous voulons d'abord comprendre les soucis, la vision, la charge que Dieu vous a donnée. C'est pour ça que vous pouvez prendre plus de jours que les autres. Et aussi, même nos intervenants, ceux qui nous viennent d'ailleurs, quelqu'un il paye son billet, ça veut plus de milliers de dollars, il arrive pour intervenir seulement 30 minutes, 40 minutes. Des fois, les enfants de Dieu ne sont pas rassasiés et le lendemain, ils doivent repartir. Je crois que cette fois-ci, l'avantage sera qu'il y a des orateurs qui auront des interventions. Il prêche aujourd'hui, il pourra encore revenir 3-4 jours après. Et c'est aussi, ça rentre tout dans le cadre des bénéfices pour les enfants de Dieu. Pasteur, vous pouvez nous faire une petite restitution de ce qui a été la fête des Juifs de Dallas. Il y a eu la délégation de Kinshasa qui était partie avec vous. Est-ce qu'il y a eu les ceux qui ont fui ou bien la délégation est rentrée au complet? Merci maman pour la question, que Dieu vous bénisse. D'abord, je rends grâce à Dieu et je vous remercie aussi parce que avant que je puisse partir, on a été avec vous. Je dirais que vous avez aussi contribué à la réussite de ce qui s'est fait aux États-Unis. Parce que vous avez eu aussi à sensibiliser, à informer. Et la fête des Juifs de Dallas, je crois que c'était la première édition. On avait osé seulement. Toute l'organisation, tout venait de Kinshasa. On est parti, on a loué la salle, on a pris des contacts, on a loué des instruments. Et je dis bien, tout venait de Kinshasa. Et c'est comme ça qu'on a dû aussi sensibiliser ici. Dieu a fait grâce. Il y a eu des gens qui ont eu des visas et nous sommes partis. Une très forte délégation. Nous avons tenu notre séminaire pendant 3 jours. Et je crois que pendant les 3 jours, on a profité aussi, comme on avait promis aux enfants de Dieu, on devait réaliser le dernier jour, c'était dimanche, les avant-midi, nous avons eu à baptiser les gens dans une rivière qui coule bien sûr, parce que selon la doctrine, le baptême authentique ne doit pas être fait dans une piscine, même pas dans un lac. Nous avons baptisé selon la doctrine et ça a été vraiment une réussite, je dirais. Concernant la délégation avec laquelle nous étions partis, je vous rassure qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Il restait 3 personnes parce que les dates de retour étaient un peu différentes. Il y a une maman qui est revenue il y a 3 jours. Pendant que je vous dis, il y a 2 qui, parce qu'ils sont encadrés là-bas, ils vont prendre leur avion, je crois, le 27 aujourd'hui, pour arriver ici demain, le 28. Donc, il n'y a pas eu de fuite. Pasteur, moi je voulais seulement savoir pourquoi la différenciation entre, par rapport au thème. À Dallas, c'était « Je ne suis pas la fille de Jephté ». Et puis ici à Kinshasa, c'est « Dieu a pris les troupeaux de votre père et il me l'a donné ». Pourquoi cette différenciation? Merci bien-aimé pour la question. Si je dois répondre à ta question, je crois que pour être plus clair et précis, je vais d'abord faire référence à la parole de Dieu. La Bible nous dit, là où le péché
à abonder, la grâce surabonde. Comment pour dire quoi? La grâce de Dieu dépend aussi de l'endroit, du milieu. C'est-à-dire quoi? Les besoins de Dieu pour Dallas n'est pas les mêmes pour Kinshasa. C'est pourquoi, chaque fois qu'on doit se déplacer, il faut toujours parler, prier, demander à Dieu quel est le message que nous pouvons apporter à Dallas. Je crois que même ici à Kinshasa, on ne se répète pas. Chaque édition, il y a toujours un thème différent des éditions passées. Donc à Dallas, les besoins, les soucis de Dieu, ce que Dieu nous avait donné, c'est ce qu'on a donné là-bas. Et je crois ici aussi, nous avons une... D'ailleurs, la Bible nous dit, « Erré soit le serviteur qui donne une nourriture au temps convenable. » De tout n'est pas de donner la nourriture, mais il faut que ça soit une nourriture au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Pour le compte de la radio-télévision Voici l'Homme, plus précisément l'émission Tozo continue. Pasteur, Tozo na 19e édition, il y a la fête des Juifs. Naebi que esa campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation, objectif na yango esa la koyambisa bato Yesu. Na lingi na yeba de la première édition kino lelo koyambisa bato Yesu. Et par contre, vous allez combien? Ça, c'est la première question. Deuxième question, Tomoni, où vous allez la troisième édition ou quatrième édition, où pasteur Mathieu Yombo a participé parce qu'il était parmi les orateurs. Relation, il y a eu pasteur Mathieu Yombo qui nous l'a dit. Merci. Kolo Pambula Yondeko, je crois, Moutouna Yandeko, ça, objectif, il y a campagne d'évangélisation. Hormis peut-être ébélé à bas dépenses, à bas sacrifices, tout ça là, mais objectif est ensemble, c'est de tout gagner, bah âme. Ce qu'on dit quoi, c'est tout na, tout ça na 9e édition. Pourquoi y a bissé bissouli, est-ce que vous gagnez bah âme, est-ce que vous gagnez, vous avez à peu près combien? N'a quoi qui correspond à n'en découvrir. D'ailleurs, matin, nous avons été micolo. Moi, sous le thème d'Angaïzali, vous chasserez les démons. Mais nous tirons quoi? Nous tirons dans Marc chapitre 16. Ce qu'on a dit à 13 ans, il y a la Bible de bas. Puis, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais avant tout, allez partout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez la parole de Dieu à toute la création. Celui qui croira. Pour arriver à chasser les démons, il faut d'abord croire. Et pour croire, il faut écouter. Pour écouter, il faut être enseigné. Raison pour laquelle le travail que nous faisons, le fondement de Yango, c'est de gagner ma âme na Jésus Christ. Peut-être que nous avons fait ce bilan depuis Tobandi. Nous avons fait ce bilan depuis Tobandi. Nous avons fait ce bilan. Tobandi, l'église. Et ça, qui n'a niveau moko. Ça, on a des choses. Les autres, on a deux niveaux. To bande qui, n'atteler, to zala qui rend des choses. On a, to tonde qui n'a quatre, c'est n'a moins. Mais tout le monde va tout, to zala plein, on s'arrête. Mais aujourd'hui, je vous parle, to zo débordé, to zo quatre sacs à bambar, to zo quatre sacs, to quatre tina ba, ma pangwa ba. C'est pour que to zo gagne ba am. Papa. Journaliste, je ne pense même pas que parce que il n'y a pas trois mois dans l'histoire de l'évangile à Kinshasa, pasteur François a aussi baptisé na Mayandi 1200 personnes dans un jour. 1200 personnes, je crois que c'est une grande église, mais là, ils ont battu, Mayambiès, Batouane Pé, Batikale une église. Beaucoup de beauté à Saint-Madame à toute la création. Na Théi Saint-Madame, la fête des Juifs, il y a Dallas. N'a baptisé pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait même des pasteurs
Congolais qui servaient Dieu, mais ils n'ont pas baptisé. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont baptisé les athées, peut qu'on baptise qu'on les a nettis à Wate, peut-être qu'ils les a fait, mais il faut des distances. Et des distances, on les a pas mal, Et je crois, le tokende qui même na baptême, tobeti na Google Toluki Rivière, GPS indiqué sur place à Liboso, tout ce qui est à la place, tokomi place na Rivière, tokomi to Telimai, aux autres moutons, on a un acatité, moutons à pembe, il était, tout pour ça na boule, pas comme, d'où non, entre. Ça veut dire ne pas entrer. Dangereux. Ma babila va parler à la police nassé. Namoni, mon dernier mot qu'on a dit ah, en anglais, Marie à la bangando, eh, Seigneur, même sa bande de coyo, tout reporté la deuxième édition tout ça, habité. Nous avons monté la bangando, botine de nuages. To yembi la kiti na mal. La kiti petit Marie Skelinga nassé à ma pique. La baptisé Moko Moko Moko, j'ai fait à peu près 40 minutes dans ma vie, sur le site Obimi, je parler mon tout. Pour dire que, dès que je pas passé, je ah papa, il sont a un risque à bouiller. C'est pour moi que je vais éviter de baptiser. Et je crois que, pour un côté de Sabah, je vais aller dans la salle, dans une bande de pour s'appeler la première édition. Et ça qui essaye. Vous savez, vous savez, vous savez, ok. Et quand on a Ekoba, papa Ekoba, d'ailleurs, Bissomoko, tous les autres charges en ballon, Bassangi Simbong sur place, nous avons payé la même salle, $5,000 par jour, et cette fois-ci, c'est 4 jours, $20,000 et Futami sur place. C'est pourquoi j'annonce déjà la tenue de la deuxième édition, fête des Juifs Dallas, au mois de juillet 2020, du 16 au 19. Et pour votre information, sur place, bande à Paris, babengi, papa ou négligez vous en Europe. Sensibilisation est salémi. Paris et Saint-Foutami. Première édition Paris. C'est du 10 au 12 juillet 2020. Et pendant que je vous parle, Afrique du Sud, ils sont en train de se préparer. Première édition Johannesburg. Fête des Juifs de commun international. Amen. Amen. Ndekwatuni. Tout le monde qui n'a pas édition passée, présence à Pasteur Mathieu Yo. Mais tout le monde est là, Pasteur Mathieu Azate. Relation à Mathieu Azate. Tout le monde qui peut avoir édition passée, Pasteur Pierre Moukendi, Anvers. Première édition, deuxième édition. Alors tout le monde est ressuscité. Relation à Nganaï Azate. Relation à Nganaï Azate bien. Pasteur Pierre Moukendi, ce qui est à Yakao, et au Fanny Sangaya, et de deux. Pasteur Mathieu Yombo, avant qu'il soit pasteur, c'est un frère. Azandi. Et la relation est très kito. Le problème est ça. Quand on a dit papa, un jour, on a passé Mathieu Yombo, il y a tout comme on a fait tout le monde, il y a tout le monde. Tout ce qui est en train de se faire, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ou bien tout soit dit, il y a bien, peu Mathieu Yombo, il y a tout le monde. D'ici la paix, beaucoup moins. Domoni, de la première édition, de la neuvième édition, Domoni, que le sujet est varié. Et puis, il y a aussi beaucoup. Pourquoi il y a d'autres intervenants depuis la première édition qui nous suivent maintenir le mot? Est-ce que parmi le sujet, on a un orateur, on a soutenu la grâce, et on a élargir, on a côté à l'Ilobalanza, mais on a un sujet qui nous dans chaque édition, nous avons un pasteur. Zamba Pamulo Bama Pona Mutuna, nazo répondre. D'abord, réponse à l'Ibosse Zaka. Idée Yakosa la manifestation qui nous levait aux ampleurs comme Milango et Yak Nengeni. Idée Nazoe Langunanda Kwamutu. En 2009, je suis à Montréal au Canada, Nanda Kwa Pasteur Pierre, en train de prier. Pasteur, Dieu vient de me parler. Nazo banda ko organiser musala mu na Kinshasa. Na banda obeng sabino na ba pasteur ya libanda. Nzamba tesika yikubanda ko le blanc.
mais il y a une ampleur qui est internationale. Et ici, que nous avons voir même, nous avons vu que nous avons raison pour laquelle, pasteur Pierre Mukandila, pasteur Florent, nous avons vu que nous base, parce que vision et outil n'est pas dans nous. Je crois que c'est ça la réponse. Il y a continuité. Comme la 9e édition, il y a une particularité à la 9e édition. Si le plan est mouli, nous avons mis. Puisque à chaque fois, ce beauté, Dieu m'a dit. Mais avant, tout comme tu n'as pas dit, il y a un côté de la retraite. Nous avons mis en qu'est-ce que Dieu vous a dit pour transmettre le peuple de Dieu. Quand la parole est là, nous avons d'abord. Il y a une recommandation générale. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je ne suis pas, je ne partage pas d'avis. N'abord pas le baka. Pour peut-être convaincre la bato. Faisons un truc. Les nabando ensemble la rabuto. Zamba à l'obélinga qui les lui aux années terribles. Ceux qui peuvent tenir à l'obélakio. Abima inami. Le roi Mungongo. Ton andot. Des fois, c'est difficile à expliquer. Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a dit? En particulier, nous avons d'abord allé partout le monde, faites de toutes les nations de Dieu. Et ça d'abord, nous avons l'obat et la bongo. Nous avons particulier. Mais il y a que pour cette édition, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Même si Dieu peut me parler, il va me parler comme son serviteur. Ce n'est pas ce que je fais, mais pour dévoiler que nous avons un peu. Et surtout que on n'est même pas encore arrivé à la manifestation, je risque. Parce que n'oubliez pas aussi que nous combattons contre Satan. Et dans les combats, il y a toujours les secrets qui font la force d'une personne. Je ne peux pas m'étonner ici, dévoiler tout ce que Dieu me donne comme vision du moment où nous avons dit que Satan a été bloqué pour nous échouer. Mais sache que Zambé, Azali, nous tenions sur Oya, Zambé, au même moment, la vie. Ma question est à Bouy. Donc, déjà dans la 9e édition, il y a la fête de Juifs. Campagne d'évangélisation, but non, ils allaient accueillir des bananes, mais il y a un problème au bazar en haut. Alors, ceux qui étaient dans la 9e édition de l'eau, alors c'est qu'il y avait déjà des gens au bazar guéri, au bazar avait témoignage à ma lame. Et ton pasteur, ton initiateur, ton créateur, il y a la fête de Juifs, est-ce que dans votre possession, déjà, vous avez témoignage et belé durant la première édition, la 8e édition et autres collègues? Kola pambule o mama pona mu na obanda d'abord na toli ba tebele ba yeba ba kinwa te peuple kinwa soko ye bien bien te tu risque de croire que c'est un peuple naïf mais kinwa za naïf te kinwa soko muni likambwa sika aya kambang parce que kinwa za curieux mais soko kutia malonga te lobe o moni risusi. Ils viennent, mais ils ne sont pas observés. Je vais dire quoi par là. Ce qui est un témoignage, c'est que je suis en train de me faire un témoignage. Je suis en train de me faire 9e édition et les gens nous soutiennent, les gens nous supportent. Maman, les lotos, il y a 15 jours. La manifestation, il y a 6 heures, il y a une place dans l'Alembélène. Parce que comment il y a une place, il y a une place. 6 heures, il y a une place. Des photos aussi de 22 heures. Moutoufanda en Amboudi. Des fois, la Lyon. 4 heures à Kenda. 9 heures à Sazon. 8 jours. Toché 15 jours. Balobi papa, même un mois de Ozan. Ce que vous trouvez intérêt avant. Je ne suis pas là pour faire la publicité des miracles. Et ça, à la nature, en Angate. Les Bibles, les hommes, voici les miracles qui accompagneront. Là où la parole de Dieu est prêchée, la vérité, le miracle, c'est authentique. Chaque fête des Juifs, ils ont été témoignés pour témoigner. Ils ont été YouTube, ils ont été édition de la sur Otali, ils ont été témoignés. Même pendant la fête, ils ont été témoignés, même en dehors de la fête. D'abord, nous avons informé que
avant-dernier jour, le 17, Nazo Pambula Libala, mariage religieux, Nazo Balisa Mama Moko, il y a 56 ans, pour la première fois, Nazo Sala mariage religieux, la PCLIE Biloko Nyons, deux pièces à Bilamba, Tabaya Papa, Nazo Pesa ba télévision, Banil, Mobali âgé, il y a 60 quelque chose d'années, et après, Nazo Pesa dans la salle de fête, mariage à blague. C'est comme pour dire que il y a des témoignages. Nous avons dit que l'année 2018, à Kalembele, il y a 258 mariages pour l'année 2018. Et cette année déjà, dans le mois de juillet, on est déjà à plus de 200 couples bénis. Nous avons dit que nous avons fait des choses. Nous avons dit que nous avons fait des choses. Nous avons dit mariage, le premier. Dans le mariage dans le jardin zoologique, il y a des mariages qui sont en église et dans le bassin de la ville. Chaque semaine, j'ai béni pas moins de 15, pas moins de 6, 7 couples chaque semaine. Pour dire que tout le monde est beaucoup dans les amis. Est-ce qu'il faut la bande de la TV, la bande de Kongang? Non. J'aime Batouba Yébelangaï, pasteur François Boisselom, Nalanda, Matéana et Simba Angaï. Et non, les représentants qui témoignent, des fois, l'homme sous vérifié, ils ont un montage. J'aimerais parce qu'il a suivi l'enseignement et non les témoignages. Parce que les témoignages, ça peut venir aujourd'hui, demain, ça ne peut pas venir. Parce que nous avons dit qu'il y a église. Merci, chers confrères, pour votre présence. Merci. Nous estimons que le travail se fera dans le respect de l'art. Entre-temps, nous remercions aussi le pasteur qui nous a éclairé par rapport à la fête des Juifs. Et nous lui demandons de nous prendre congé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.